Salut à tous, salut à toutes, c'est Fred de Freddy Fitness. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo musculation versus la crise sanitaire spéciale Île-de-France avec les gestes à adopter quand on prend un transport en commun de type RERD ou Transilien tout en gardant évidemment nos objectifs de puissance et d'esthétique. Ça, c'est ma team. On commence avec la base, le port du masque. Alors je vous connais, on a envie de bosser les biceps, on serait tenté de le porter comme ceci. Mais pour gagner un level en force et en hygiène, je vous recommande de le mettre sur le visage. Ça veut dire que vous allez vous pencher, vous allez juste poser le masque sur la zone nez, bouche, haut du menton. Et vous allez gainer pendant tout le temps de votre déplacement. Ça va travailler la ceinture abdos, les grands droits, les dorsaux, le bonheur. Deuxième exo, j'ai vu en gare qu'il fallait désormais maintenir une distance hygiénique entre votre type de transport et la bande de validation, dite valideur. Du coup, je vous propose des pompes frôlées. C'est une technique de street workout que j'utilise pour passer l'air mes pecs en extérieur. Votre cage thoracique, dite cacheto, représente la carte de transport. Le sol sera quant à lui le valideur. Et vous allez descendre sans jamais faire toucher l'un avec l'autre. 4 séries de 20, quand vous serez devant une borne avec vos pecs énormes, vous penserez à Fred de Freddy Fitness. Salut à tous, salut à toutes, c'est Fred de Freddy Fitness. Petite vidéo warm-up pour vous rappeler les basiques en cette période de crise sanitaire. Si on veut des résultats visibles, il ne faut pas négliger la prépa. Et quand je parle de prépa, je parle évidemment de préparation. J'ai coupé le mot. Avant de sortir, se déplacer, prendre son train de banlieue, le lavage de main. Parce que si on n'a pas les bons gestes, on peut très vite se claquer une phalange ou avoir des cuticules sales. Alors à la maison, on monte le son, c'est l'heure du washing hand. Allez, on y va, face, on contracte les pecs. On ouvre, on ramène le bras droit, le bras gauche, grabbing. On inverse, antéversion des doigts gauche, rétroversion des right fingers. Point de flex, les pouces, et turnover des poignets, et on est bon, bravo, vous avez bien bossé. Maintenant que nos mains sont propres, il va falloir les utiliser à minima, voire never. Et là, je vais rester sur mon image de train d'Île-de-France, puisque pour ouvrir les portes, on va mettre à contribution nos articulations humérales dites coudes. Car plus hygiéniques, elles sont également équipées d'un os et contiennent peu de doigts. Mais là aussi, sans échauffement, c'est le claquage assuré. Donc on y va, 1, 2, comment madame, vous voulez sortir? Tac, on est prêt, on se surprend, mais on est toujours prêt grâce à Freddy Fitness. Salut à tous, salut à toutes, c'est Fred de Freddy Fitness. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour ceux qui n'ont pas le temps de faire forcément du sport entre la reprise du travail et la salle qui reste fermée à cause du corona. Je vous propose d'obtenir votre summer body en utilisant votre trajet urbain du quotidien et ce grâce à un exercice de pas chassé qui va vous être triplement utile pour éviter d'être infecté, vous répartir le long du quai et galber vos fessiers. On le sait, dans un train, on a toujours notre voiture préférée, celle de devant, celle de l'arrière, parce qu'elle nous permet de faire le moins de pas possible à la sortie. Et là, je vais passer du côté mental du sport. Je vais vous demander d'aller over yourself, de changer vos habitudes. Change your habitude. Il y a moins de monde dans cette voiture-là, paf, 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 on y court. Vous allez surprendre votre corps en utilisant le fractionné. Vous faites ça matin et soir pendant une semaine, ça va vous dessiner pour le week-end. Vous pourrez même trouver une petite place assise pour votre temps de récup. Mais alors attention, là aussi, quand je dis récup, je ne parle pas de relâchement. Sinon, j'aurais dit relâchement à la place de récup. N'allez pas gâcher vos résultats en mangeant dans le train des barres chocolatées, des sodas sucrés, des raclettes, des bouchées à la reine. Non, on reste gainé, à l'affût, prêt à mettre en place la distance de sécu. Il paraît qu'on est en guerre, vous voilà devenu de véritables machines de guerre grâce à Freddy Fitness.